Bon, alors je suis David Hume, philosophe qualifié d'empiriste durant le siècle des Lumières, né en 1711, déclaré mort en 1776. Je suis d'Édimbourg, en Écosse, j'ai grandi dans une famille de petite noblesse, j'étais destiné à une carrière juridique, mais j'ai manifesté ma préférence pour la philosophie. J'ai d'ailleurs, peu après mes études, en 1739, publié mon ouvrage majeur, Le Traité de la nature humaine, une tentative pour introduire la méthode de raisonnement expérimental dans les sciences morales. Long et compliqué comme il est tombé mort-né dans la presse. Je me suis mis alors à des textes plus courts et plus accessibles, qui ont eu plus de succès, tels que les essais moraux et politiques, et l'enquête sur l'entendement humain. De 1763 à 1765, j'ai eu l'occasion, alors que j'étais secrétaire de l'ambassadeur d'Angleterre en France, d'aller à Paris et de rencontrer les encyclopédistes, qui ont apprécié mes idées. J'ai eu aussi l'occasion de loger Rousseau à Londres, mais on s'est très vite brouillé. Est-ce que tu sais pourquoi? Là, vous me posez une cale. Ok, alors on passe dessus. Donc, deuxièmement, la partie consacrée à la philosophie en elle-même. On peut la caractériser ainsi. Empiriste et pourvu d'un scepticisme mesuré, relatif. Bon, je rappelle, empiriste, du grec empeira, qui signifie expérience. Ce sont des philosophes essentiellement anglais, comme Francis Bacon, Locke, pour trouver des exemples, qui rejettent à la fois les constructions métaphysiques médiévales et l'abstraction des systèmes rationalistes modernes, comme celui de Descartes et Newton. Néanmoins, c'est à l'image des méthodes de recherche expérimentale de ce même Newton que ces méthodes, je voulais les appliquer à l'étude de l'espèce humaine. Je cite que, même si c'est sur quelque chose qui porte sur la philosophie, dans ce système, la morale et les croyances sont affaires d'expérience et n'ont pas de valeur absolue. Elles sont aussi relatives que le reste. Donc j'aborde trois questions principales. L'origine des idées, ou d'où procède notre connaissance. L'association des idées, ou comment l'esprit procède-t-il pour raisonner et construire des connaissances nouvelles. Et la validité des idées. C'est-à-dire, comment savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas une chimère, enfin bref, si on a vraiment pensé à quelque chose de réel. La réponse aux trois questions est bien entendu par l'expérience. Car pour la première question, sur l'origine des idées, toute connaissance dérive de l'expérience, nos contenus de conscience proviennent de nos expériences, de nos perceptions, qui se divisent elles-mêmes en deux classes. Les impressions sensibles et internes, qui sont vives dans notre esprit, les impressions de sensation et de réflexion, l'affection, les émotions, les actes de volonté. Et deuxièmement, les idées, qui sont des copies affaiblies des impressions perçues, les réflexions, les souvenirs, l'imagination, etc. Pour répondre à la deuxième question sur l'association des idées, cela résulte d'une habitude liée de l'expérience et non d'une causalité. L'habitude de voir deux événements se succéder, comme le nuage précédent à l'orage, nous conduit à penser que le premier est la cause du deuxième. Mais la causalité n'est en fait qu'un nom pour désigner l'habitude d'associer les deux perceptions. Autre exemple, on ne sait pas si le soleil se lèvera demain. Tout le monde a l'habitude. Et troisièmement, le seul moyen de savoir si une idée a un contenu objectif, si ce n'est pas une idée fausse, c'est de la décomposer en toutes les expériences d'où on peut la faire dériver. Je remettrai même en cause jusqu'à l'idée du moi, du soi-même, de l'individualité. Le moi n'est pas une substance permanente, mais plutôt une collection de perceptions qui se réagencent, se reforment, enfin bref, sans arrêt mouvante. On ne peut pas avoir conscience de soi-même, ni même d'une notion telle que l'âme, parce que de quelle perception ça dériverait en fait? Ça ne se sent pas ce genre de choses. Voilà pour l'empirisme. Quant au scepticisme, je le répète, il est modéré, mesuré. Je ne vise pas à détruire les certitudes, mais juste à éclairer sur l'origine des dites certitudes.
Bon, après, on m'a qualifié d'athée, on m'a accusé de saper les fondements de la morale, c'est pour ça qu'on m'a refusé d'accéder à une chaire universitaire. Mais bon, après, c'était un scepticisme que je savais moi-même relativiser. En effet, les arguments sceptiques de la philosophie ne devraient pas nous suivre dans notre vie de tous les jours, même quand on est un philosophe. D'ailleurs, je sais faire preuve de bon sens et d'humour, comme le prouve cette petite citation. La nature me guérit de toute mélancolie et de tout délire philosophique. Je dîne, je fais une partie de cartes, je devise, je m'amuse avec des amis. Et si après 3 ou 4 heures de distraction, je retourne à mes spéculations, elles me paraissent si froides, si forcées, si ridicules, que j'ai pas le courage de m'y plonger à nouveau. J'ai conscience que tout cela vous a légèrement endormi, mais je tenais à dire en conclusion, c'est quand même moi qui réveillais Kant de son sommeil dogmatique.